Aujourd'hui, on reprend un autre live. Cette fois-ci, on va réparer un truc qui est, ma foi, pas commun. Un pad Neo Geo. Donc, on a bien notre écran de Neo Geo. Et, comme vous pouvez le constater, là, il dit rien. Il dit push to start. Push start. Et quand on branche la manette... Normalement, la mousse, enfin la petite main rouge, elle est censée bouger. Et il n'y a qu'un seul bouton qui marche. C'est celui-là. Et les autres boutons, ils ne marchent pas, ni start, ni select. Donc on va voir pourquoi ça fait ça. J'espère que c'est juste des câbles qui sont déconnectés à l'arrière, ou j'en sais rien. Ou du moins, de toute façon, on va l'ouvrir, on va tout démonter, puis on verra bien. Donc il y a 4 vis sur le dessous. Donc je fais exprès de la prendre sur le côté comme ça pour éviter d'appuyer sur le joystick. Ça serait un peu dommage de l'abîmer. Alors, on enlève le capot, on fait attention car il y a un petit câble ici. Hop, donc on peut le tac, tirer. Et on arrive ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça a pas l'air en mauvais état, ça a pas l'air dessoudé non plus. Il va falloir que je fasse des tests de continuité en fait. Pour être sûr que le courant passe entre eux. Donc on met en continuité comme ceci, et donc quand hop, quand je fais ça, ça bouge, et donc ça veut dire que le courant passe. Donc si on fait ça, ça passe, lui il va là, ok, visiblement il va là également, ok, il va là également, ok. Il va pas là. Et c'est normal. C'est un A. Ok, là on est bon. Le B. Ok, il est bon. Et le C. Bah alors, tout est bon. Tout est bon de ce côté-là. Un bouton. Hop, c'est une petite lamelle qui vient toucher une autre lamelle. Et paf, ça fait contact et ça veut dire qu'on appuie. Du coup, la console, elle reçoit l'info. J'ai reçu le contact. Ok, lui c'est bon. Le C c'est bon. Et le D c'est bon. Ah. Ok. Lui est bon. Ok, ça c'est bon. Ok, donc là on est bon. Pas trop mal. On a les contacteurs qui sont... Ok, donc le problème viendrait d'El Cable. Il faut glisser un médiator entre le connecteur et son cache en plastique. Alors, hop. Pour ensuite faire levier avec le tournevis de l'autre côté. Et voilà. Il suffisait de forcer un petit peu. Donc on a nos fils qui sont là. On a tous nos connecteurs. Les connecteurs sont sortis de leur logement. Il suffira alors de les remettre dans la prise en plastique. Et pour ça on peut utiliser un tournevis. J'ai juste l'impression qu'ils étaient défaits en fait de leur logement. C'est connu. Ok, bah si c'est connu en vrai pourquoi pas. Bah écoute, la forme aussi, tu vois, on répare un truc qui sort un peu du lot. C'est-à-dire un pad Neo Geo. On n'en voit pas tous les jours. Voilà, là ça tient. Et on va le rebrancher comme ça.
Alors, ok. On appuie sur Start. Bah écoute, tu sais quoi faire demain? En vrai, de toute façon, si j'en ai pas besoin moi, il part chez MO5. Hein. Faut pas jeter hein, tout ce qui est matériel, même récent, même très ancien, même abîmé et tout, faut pas jeter. Et quitte à faire un gros carton et le déposer un jour à chez MO5, nous on récupère tout, ça fait de la pièce, ça fait du câble, ça fait des boutons. On va essayer de voir si ça fonctionne, si tous les boutons fonctionnent. Pour l'instant, le joystick il fonctionne, bouton A fonctionne, Start fonctionne, donc faut qu'on essaye les autres. Mais en soi, il n'y a pas de raison que les autres ne fonctionnent pas. Mais en soi, c'était pas grand-chose, hein. C'était vraiment juste au niveau de l'extrémité du câble où c'était... Où c'était débranché, quoi. Ok, on peut se baisser. Ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Select. Ça fait rien. Et donc là, on est pas mal du tout. Ouais, ça, même en tirant, voilà, ça bouge pas. Et on va pouvoir le remettre dans son... Dans son petit... socle. Est-ce qu'il y a un sens? J'ai pas l'impression. Bon, du coup, j'ai un peu trituré le plastique, malheureusement, avec le tournevis. Ça l'a un peu abîmé. Et je vous avoue que je voyais pas trop comment faire autrement. Ok, donc là, on est pas mal. Hop, on reclipse. On essaye de bien remettre les câbles à l'intérieur pour pas que ça dérange. Et puis ça va repartir, à l'assaut et puis ça sera nickel. On lui mettrait pas un petit coup de propre à cette machine là. Histoire qu'elle soit toute belle.